d'abord au nom du centre culturel, au nom de l'association Boabouabitila et au nom des artistes, on voudrait remercier encore le maire et son conseil municipal d'avoir accepté d'accueillir l'expo ici. Donc voilà, cette exposition, si vous voulez, elle est voyagée depuis l'année dernière. C'est-à-dire que d'abord, il était au centre culturel Pomemi pendant 4 mois. Et ensuite, à la fin de l'année dernière, il est parti du côté de Pueblo. Et là, cette année, il vient accoster ici à Calagomène. Donc le thème de cette expo, c'est cycle. Donc elle parle un peu du cycle de la vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort et à la renaissance. Donc à travers cette expo, vous verrez qu'il y a différentes disciplines qui interviennent. Donc vous aurez la peinture, vous aurez la sculpture, la vannerie, et puis vous aurez aussi l'audiovisuel et puis l'écriture. C'est très varié, souvent très intéressant parce que chaque œuvre est accompagnée d'un texte explicatif. Et je suis frappé par le lien qu'il y a avec la culture kanak en particulier, notamment le cycle de l'igname, le cycle de l'eau, donc avec notamment des sculptures en bois qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Et aussi un tableau qui m'a assez troublé où on voit une scène de nature avec... comme un ancêtre qui apparaît dans la scène nature, avec quelque chose qui m'a effectivement fait penser à souvent ce que j'entends dans les échanges avec, dans les coutumes notamment, avec les coutumiers, notamment la présence des anciens dans les pierres, dans les arbres, etc. Voilà. Donc oui, quelque chose qui est très en lien avec, je pense, l'identité et la culture du monde kanak. C'est pas mal du tout. J'aime bien les photos qui sont ici là. Enfin, je suis plus dans la photo, donc du coup ça me plaît bien les photos qui sont ici. Mais de façon générale, j'aime bien les photos qui sont les artistes. Ouais. Ça va, ils se sentent plaisir. Hein. Ah oui, là, ils sont lâchés quoi. En plus, il y a 3 artistes d'ici de Calagomène. Exactement, ça j'ai entendu tout à l'heure. Donc, du coup, il y a 4 artistes de Calagomène. Il y avait Madame Loupi, Madame Beboumani, qui nous a quittés récemment. Et puis, Monsieur Ipoulesso, là. Donc, je reconnais la patte sur la sculpture qui est ici. Magnifique. Magnifique. Magnifique, en espérant qu'il y aura d'autres expositions, parce que vraiment c'est une grande première pour Calagomène. Ah, c'est super. Ça, c'est quel groupe ça? Ça, c'est du haut. Ah, wow. Ok. Ça, c'est du haut, on voit de la forêt. Mm. Il a de la houppe, mais ça a été trempé dans la mer. On voit que la couleur, elle n'est pas pareille là. Ah, oui, d'accord. Tandis que celui-là, elle n'est pas trempée dans la mer. Okay. Si on trempe à la mer, il fait cette couleur-là. Et le houp, c'est bien à sculpter quand on commence la sculpture C'est un bois le plus sacré de Kanak par rapport à... Avant, dans le temps, on ne sculptait que ce bois-là par rapport à la fleur soutière, et les chambranles, et celui qu'on mange en bas.